Bonsoir à toutes. Donc Maxime Ruiz qui est photographe et qui est fondu de guitare et qui sort le bouquin hors format que vous voyez là. Quand on dit toujours achetez le bouquin à mettre sous le sapin, ça va faire plier les sapins ce bazar parce que ça pèse combien de kilos? 12 et non pas 20 comme dit Marc depuis. 12 kilos. Ok, c'est déjà pas mal. Alors bon, ben ok, le photographe a fait le pari de photographier des guitares, mais pourquoi vouloir à tout prix les photographier et reproduire les photographies au format d'origine? À savoir que si ce bouquin a fait 1m10, c'est parce que la plupart des guitares ben, ont ce format-là. La largeur, c'est pareil, c'est quand même un peu fou. Elles sont en taille réelle, c'est-à-dire que l'idée, c'était de donner l'illusion à celui qui achète le livre qu'il a la plus belle collection de guitares possible. Il suffit de s'éloigner un peu et tu dis, bon, tu as l'impression que tu as réellement toutes ces guitares t'appartiennent. Quoi. Elles sont... voilà. Alors, il y en a 71, elles ne sont pas toutes là. Voilà, forcément. Il y a eu des choix. Oui, il y a eu des choix, il y a eu des accidents aussi, des histoires, des gens qui venaient, qui amenaient tel ou tel instrument. Il y a des instruments que je... Ah oui, bon, bonjour. Il y a des instruments que je voulais, que je n'ai pas eu, qu'on aura peut-être dans une prochaine édition. Il y a un exemple de manque. Un exemple de manque, c'est la guitare de Bo Diddley. C'est un musicien américain qui est considéré comme... par beaucoup de musicologues comme l'inventeur du rock'n'roll. La particularité de cette guitare, c'est qu'elle est rectangulaire. Il l'avait dessinée lui-même, c'est une sorte de planche. Je sais où elle est, je sais qui l'a. Il n'a qu'à bien se tenir. Elle est où? Où est-elle? Où est-elle, cette elle, guitare est au, elle est à Austin, au Texas. Elle fait partie de la collection de Billy Gibbons, qui est le guitariste de ZZ Top. Bon, au moins, cette guitare est entre de bonnes mains. Voilà. Oui, Bo Diddley a donné cette guitare à Billy Gibbons. Un peu comme s'il lui transmettait l'épée du roi. En disant voilà. Alors, sur la page de droite, les guitares. Sur la page de gauche, du texte. Au-dessus de chaque page, une sélection de musiciens qui ont utilisé l'instrument. On a d'ailleurs parfois des surprises. Oui. Voilà. C'est... L'idée, la liste est bien évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais par contre, on a essayé d'avoir des guitaristes du monde entier, d'avoir des hommes et des femmes, et d'être assez vaste de ce point de vue-là, mais jamais exhaustif, parce qu'il y a des millions de guitaristes, on ne pourrait jamais tous les citer. Quoi. Et puis en dessous, un texte de présentation bilingue français-anglais, alors bon, ben, rendons-lui justice, puisqu'il s'agit d'un historien de la musique. Ok, il y a, on va dire, 20 lignes pour l'histoire d'une guitare, c'est peu, c'est plus une mise en bouche qu'un traité technique pointu. Hein. Oui, tout à fait. Non, c'est plus comme des petites nouvelles ou des petits poèmes. C'est Christian Séguré, qui est un musicien et qui est un musicologue, et qui a une langue très poétique. Quoi. Je ne voulais pas qu'on s'adresse à des spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste, je suis un amateur, je suis un ignorant qui donc a la possibilité d'apprendre. Et je voulais que ce livre soit ouvert, encore une fois, que ça ne s'adresse pas à une secte, si on peut dire. Alors, Maxime Ruiz, en tant que photographe, est-ce que vous êtes vous-même musicien ou est-ce que ce qui vous fait flasher, c'est tout le contenu esthétique de ces guitares qui sont pas des objets neutres? Non, c'est des objets. Chaque objet est extrêmement chargé, c'est-à-dire il est apparu à un moment précis de l'histoire. Je veux dire, elles sont marquées par le moment qui les a vues naître. Elles ont changé la façon de faire la musique. La guitare est un instrument, je dirais, nomade. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un instrument qui adopte des tas et des tas et des tas de formes différentes, et c'est toujours pas fini. C'est-à-dire, il y a encore des gens qui font aujourd'hui des guitares qui ne ressemble pas à celle qu'on a connue, et ça va continuer. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout petit, j'étais fasciné par ça, par cette diversité. Quand je voyais les groupes sur scène, je me disais, mais pourquoi? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et c'est peut-être ce qui a donné aussi naissance à ce livre,
quelques siècles plus tard, n'est-ce pas ? Alors, ben, il y a quelques classiques, par exemple la Echo, la guitare italienne électrique oui. du pauvre. Oui, tout à fait. Quand on n'avait pas assez de sous pour se payer une Fender Stratocaster ou une Gibson, on achetait une Echo dans les années 60, par exemple. C'était la guitare des débutants et c'était des guitares assez kitsch, assez rigolote, avec des matières un peu curieuses. Et on m'a expliqué, en fait, c'était dû... En fait, l'Italie fabriquait fondamentalement des accordéons. Les luthiers italiens fabriquaient des accordéons. Et puis dans les années 50, arrive 60, arrive le twist. Et là, les jeunes veulent des guitares. Ils veulent plus des accordéons. Et les luthiers se disent, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce stock qu'on a de boutons, de trucs qui brillent dans tous les sens. Et ben c'est pour ça que les guitares italiennes ont 50 000 potards sur le côté, des boutons, des touches à ne plus savoir quoi en faire, des nacres, des couleurs chatoyantes. Enfin, elles sont très, très, très colorées. C'est parce qu'ils ont recyclé tout ce qu'ils avaient pour faire encore deux siècles d'accordéon. Ben, ils en ont fait des guitares, quoi. Alors, autre précision, on peut parler des guitares pendant des heures, mais il n'y a pas que des guitares électriques. Il y a une majorité de guitares électriques, quand même. Oui, oui, oui. On constate dans le bouquin. C'est vrai. Mais pas que. Bon, exemple, la fameuse Acoustic Martin. Oui, une longue histoire presque politique. Oui, je dis souvent que ces guitares sont des armes de paix. C'est-à-dire, je montre une guitare, je montre la Gibson Dove ou je montre la Martin 021 en disant « Cette guitare a arrêté la guerre du Vietnam ». C'est pas quelque chose de... Ça a de la puissance, mais c'est une arme de paix, c'est pas une arme de guerre. C'est dans les mains de John Baez ou de Bob Dylan ou de Woody Guthrie ou de plein de gens comme ça que le monde a un peu changé, quoi. C'est-à-dire, ces guitares ont servi, comment dire, de véhicule pour des propos qui ont changé réellement le monde, quoi. En tout cas, comme il était avant, c'était pas terrible. Le sujet est infini, il y a 71 guitares, forcément il y en a beaucoup plus, par exemple, un domaine un peu, enfin dans les manques, entre guillemets, et, bah, il y a les Ibanez Heavy Metal avec leur oui, forme très voilà, kitsch, voilà, voilà. Mais qui correspondent, on va dire, au look des musiciens, à tout le Barnum Heavy Metal à la Manowar. Des guitares comme ça, chaque musicien se fait fabriquer sa guitare sur mesure en fonction de son look. Forcément, il n'y a pas moyen de tout prendre. Alors, c'était quoi les critères de choix ? D'abord, je voulais prendre obligatoirement les guitares emblématiques, les plus importantes, la Stratocaster, la Telecaster, les guitares que tout le monde connaît sans même pouvoir citer leur marque ou leur nom. Mais tout le monde les a vues. Même un enfant de 5 ans, quand il dessine une guitare, c'est ça qu'il dessine. C'est ce genre de dessin. Et après, il y avait des guitares, je ne pensais pas les avoir, mais je les avais marquées dans ma liste, comme par exemple la guitare de Brian May, le guitariste de Queen. Parce que c'est une guitare qu'il a faite lui-même avec son papa. Et il existe un seul exemplaire au monde. Donc je me suis dit, bon, jamais je l'aurai. Et puis finalement, si, je l'ai eu. J'ai eu le moyen de rentrer en contact avec lui. On s'est super bien entendu. Il nous a invités chez lui. J'ai pu photographier cette guitare. Donc c'est vrai que bon, c'est la plus belle collection que l'on puisse imaginer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun collectionneur, même le plus riche du monde, qui ait la guitare de Brian May. Alors, au départ, on a l'idée du bouquin, et après, il faut rassembler tout ça. Donc, ça veut dire qu'il faut faire... Et il ne s'agit pas simplement de photographier des guitares qui se trouvent aujourd'hui en magasin. Non voilà. Exemple, l'exemple de Brian May. Donc, ça veut dire faire appel à qui ? À des collectionneurs ? À des luthiers ? Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai d'abord... Bon, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu de la musique, donc j'avais beaucoup d'amis musiciens. Ça m'a été relativement facile de rentrer en rapport avec des guitaristes qui eux-mêmes avaient des instruments. Ensuite, les luthiers aussi sont un peu collectionneurs. Des collectionneurs, quelques magasins de musique, notamment aux États-Unis, et puis des musées. C'était ça un petit peu l'idée. Aussi, bon, par rapport à notre patron Marc, sinon il va m'engueuler si je ne fais pas ce que je lui ai promis. L'idée, ce n'était pas seulement de photographier des guitares, comme ça, comme si on faisait un photomaton. Une guitare est quelque chose d'extrêmement difficile à photographier.
Il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est tous les matériaux qui la composent ont des lois différentes, reflètent la lumière de manière différente. C'est un vrai cauchemar de photographier une guitare. Et je voulais faire des portraits. Je voulais les idéaliser en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'éclairais différemment la même guitare. C'est-à-dire que je faisais plusieurs photos de chaque instrument pour, par exemple, une très très belle lumière pour les parties métalliques, une très très belle lumière pour le bois, une très très belle lumière pour les cordes et les sillets. Et à la fin, comme un peintre, je pouvais mélanger toutes ces images et obtenir une photographie qui est, je dirais, moins la photo de l'instrument que la photo de l'amour que les gens portent à cet instrument. Ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé aujourd'hui quand je vois la manière dont les gens réagissent aux images. Quoi. Alors, dernière question, ce ne sont pas des objets neufs qui ont été photographiés. Non. Enfin, j'aime pas le mot objet d'ailleurs en termes de guitare. Ce sont des guitares qui ont servi. Ça se voit, oui. ça se sent. C'est des guitares qui ont une patine, qui ont une mémoire un peu comme une vieille maison. Tout à fait. Elles sont blessées, elles sont marquées. Moi, je faisais ça naturellement. Après, en montrant les photos à des musiciens, j'ai pu constater que pour un musicien, les craquelures du vernis sont extrêmement sensuelles. Ils aiment beaucoup plus une guitare comme ça qu'une guitare toute neuve qui sort du magasin. C'est pour ça aussi que lorsque j'allais voir quelques collectionneurs, je leur disais, je ne photographie des guitares que dans l'état, c'est-à-dire pas des guitares qui ont été revernies, repeintes, refaites. Il fallait qu'elles aient la trace de leur propre vie, de la vie de tous ceux qui les ont joués, quoi. Voilà. Alors, si un jour il y a une deuxième édition, à part la guitare de Bo Diddley planquée chez Bill Gibbons à Austin, il y a un autre rêve ? Oh, il y a une guitare qui nous manque ici. C'est un luthier que beaucoup considèrent comme le luthier le plus important du XXe siècle, qui s'appelle James D'Acquisto. J'ai pas de guitare de James D'Acquisto, j'ai pas pu en avoir. Il y aura certainement d'autres. Il y a la première Gibson électrique qui est à la Cité de la Musique à Paris, mais j'ai pas vu la voir tout de suite. Il y en aura, je sais pas. Les gens vont m'apporter des choses tous les jours. D'ailleurs, on m'apporte des guitares et je me dis oui, peut-être qu'il y aura bien une deuxième édition. Voilà, on précise que l'objet est un tirage limité de 2500 exemplaires. Voilà, oui. Qu'il est presque tous vendus d'ailleurs. Qui ne se met pas dans une bibliothèque format poche, comme vous pouvez le constater. Non, il n'y a pas chez Ikea. Bon. Et donc, Maxime Ruiz, de Foxy Lady Project. Oui, pourquoi aussi ce titre-là, puisque Foxy Lady est quand même le titre d'une des premières grandes chansons emblématiques de Jimi Hendrix. Ben voilà. Pourquoi lui et pas un autre ? Pourquoi pas Robert Johnson ? Pourquoi pas Eric Clapton ? Non, parce que c'était les guitares sont indéniablement féminines. On ne va pas appeler sa guitare Marcel, quoi, par exemple. Ma guitare s'appelle Marcel. Non. Les guitares, ce sont des femmes. Et un guitariste m'a dit un jour, c'est le seul domaine dans lequel je suis polygame. Tu vois. Et ça paraissait évident. Enfin, au moment où on a eu l'idée, on s'est dit, ah oui, Foxy Lady, ça pourrait être ça, quoi. Tu vois, c'est une femme, une rousse, une jolie rousse. Bon, qu'en pensent les femmes qui jouent de la guitare ? À quoi pensent-elles quand elles jouent de la guitare, elles ? Oui, on a oublié de parler, mais si on est mauvais quand même. Parce que, en fait, à l'époque où tout le monde craint que l'Internet fasse disparaître le livre et qu'il n'y ait plus de livres, moi, j'ai jamais eu cette peur-là. D'ailleurs, j'en profite un petit peu pour dire une chose importante pour moi. C'est, je viens dans cette librairie depuis tellement longtemps que je crois qu'au début, elle n'existait même pas, la librairie. Et je me disais, un jour, ici, il va y avoir un endroit extraordinaire. Et j'ai fait un rêve. Je me suis dit, je me suis dit, je ferai un jour un livre et il sera en vente ici. Et ben voilà, le rêve, grâce à Marc Philipson. Le rêve s'est réalisé. Comme quoi, on fait des rêves et on peut les réaliser, quoi. C'est pas si
c'est pas si difficile. Enfin, si, ça peut se faire. Donc, je sais que... Les 3 heures de vidéo. Non, parce que... On a mis en haut de la page de texte un petit flash code, un QR code, ça s'appelle. Et avec un téléphone, si on a la petite application correspondante, si on flash sur ce code, eh ben on voit la guitare en action. On voit un bout de concert, on voit un bout de show télévisé, parfois un film en noir et blanc des années 30, parfois Brian May sur le sommet de Buckingham Palace en train de jouer l'hymne en... l'hymne national anglais. Et ça fait que, bon, on a des... Voilà, comme il dit, le patron, 3 heures de vidéo pour le même prix dans ce livre. etc. Voilà.